شو رأيك؟ بيطلع مني شي؟ شو رأيي؟ مال الشام بنت عباس بيطلع منها يعني؟ وعم حمزة الله يخلي لي اياك طول العمر فوق راسي. والله روحي يا عمي، خلينا نلحق ستك من عباس قبل ما تزعل. أنا ما بهون علي زعل أصلا. مسيو لو غوفرنور كولونيل فرانس، vous êtes bienvenu. Merci monsieur. Je vous présente ma sœur Camélia. Mademoiselle Camélia, vous êtes la bienvenue à Damas. Très heureuse, monsieur le gouverneur. Je vous en prie. Merci. Merci. Colonel, je sais que vous avez tant appris l'histoire de l'Orient. Et vous voilà à Damas, à la porte de l'Orient. Et puisque vous parlez bien l'arabe d'une manière magnifique, ce que j'ai appris, je crois que votre mission sera plus facile. Je l'espère, monsieur. كمان كاميليا بتحكي عربي كتير منيح. Et c'est moi qui lui ai appris. كان معلم كتير شاطر. C'est parfait. On m'a dit que la situation à Damas n'est pas rassurée. C'est vrai, monsieur, c'est vrai. Malheureusement, la mentalité des Syriens n'est pas si facile à comprendre. Mais puisque France parle très bien l'arabe, il comprend pas seulement leur culture, mais leur mentalité aussi. Mademoiselle Camélia, il me semble que votre frère compte beaucoup sur vous. Alors, je vous demande de bien vouloir de l'aider dans sa mission. Avec plaisir. Merci de votre confiance, monsieur. Comme vous savez, nous sommes venus dans ce pays pour l'aider à se développer. Mais malheureusement, les Syriens agissent toujours par haine et par rancune. Et c'est vraiment dommage. Colonel, malgré les efforts militaires qu'on a choisis contre ce peuple, mais malheureusement, on n'a pas toujours réussi. C'est pour cela que j'ai vu d'utiliser la méthode de renseignement afin de trouver une solution. Et vous étiez parmi les meilleurs dans ce domaine. C'est pour cela que je compte à vous pour trouver une solution. Je suis là pour ça. Alors je compte sur vous pour cette mission. Je crois que c'est le temps d'aller manger. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, on boit la santé de Mademoiselle Camélia, ainsi que celle de Colonel France. Merci, monsieur. Ces plats, monsieur, sont les plus délicieux, les plus bons de Damas. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Hein? Ce peuple ne s'intéresse qu'à leur estomac. Ah bon? Non seulement à l'estomac, monsieur, à la reproduction. Surtout la reproduction. Colonel France, on vous a accommodé une maison magnifique, confortable. Et vous aviez aussi un conducteur et un serveur qui vous va faciliter vos affaires. Merci, monsieur le gouverneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous en faites pas! Je le saurai tout de suite! Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Je vis!
مجموعة من الزمالكين حاولوا تخطفوا حمام الجرس وبعدين اشتبكنا معهم وهرب. خلوهم جيبهم كلهم مكبلين. هلزي تسويت احترامي سيدي. Qu'est-ce qui se passe? Les rebelles ont tenté d'enlever le colonel Georges. Ce n'est pas vrai. Malheureusement, gouverneur, c'est la vérité. Et après? Après un accrochage avec nos soldats, ils ont pris la fuite. Mais ne vous en faites pas. Nos soldats les suivent pour le moment. Certainement, ils vont les capturer. Les rebelles osent enlever un de nos officiers. C'est une affaire très grave, monsieur. Ils doivent être punis. Nous sommes à votre service, Excellence. Colonel France, vous voyez ce qui s'est passé au jour de votre arrivée? Oui, monsieur. Cela vous chargera de multiples responsabilités. Je suis à votre service, monsieur. Je vous assure, monsieur le gouverneur, que l'arrivée du colonel France ne donnera aucun résultat. Au contraire, ça ne fera qu'empirer la situation à Damas. Et voilà, la preuve, ce qui s'est passé dès son arrivée. Le colonel France est l'un de nos meilleurs officiers de renseignement dans l'armée française. Il pourra réussir à trouver une solution pour mettre fin aux rebelles à Damas. Monsieur le gouverneur, d'après notre expérience avec ce peuple, les services de renseignement ne sont pas utiles. Ce peuple ne comprend que par la force et la brutalité. Monsieur, on a déjà utilisé la force contre ce peuple, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Le colonel France est très bien doué. Il connaît les caractères et la mentalité de ce peuple. Et je crois qu'il va réussir dans ce domaine. Malgré que je ne suis pas d'accord pour cette solution, mais je lui souhaite tout de même le succès. Colonel, je suis très optimiste pour l'utilisation de cette méthode. Sachant que je suis prêt à faire un pacte avec le diable pour résoudre le problème à Damas le plus rapidement possible. C'est clair, monsieur? Bon, d'accord, votre excellence. يسلموا ايديك, بسولنا كثير هيك. ان شاء الله عجبوك يا عمي. ايه طبعا, كل شيء بيجيبه الغالي حلو. عمي انت بتستاهلي تستاهلي, ولا نسيتي انت بنت مين؟ لا ما نسيت, انا بنته لعباس الله يرحمه, وعمي حمزه الله يخلي لي اياه طول العمر فوق راسي. ستك ام العباس امرت انه نتحضر ونتوضب لجهاز مال الشام, بنت الحسب والنسب, بنت العز والجاه, ونحن ما فينا نخالف الاوامر. ايه بس انا ما خلصنا بقى عمي, ما بدا مستحى, ورحمة عباس وابو العباس تحت التراب. لا اعمل لك عرس تحكي فيه الشام كلياتها من كبيرة لصغيرة, واللي بده ياخذك بده يكون رجال وقبضاي وقدع ومعدل, ها, لانه عم ياخذ مال الشام. مو حي الله بنت. بشر عمي, وصلتنا معلومات انه المفوض السامي امبارح بالليل وصل على الشام. ايوه, ومعلوماتنا بتقول انه الحاكم العسكري طالع لعنده الليله على مقره بقصر العظم الليله بعد صلاه العشاء. الله يبشرك بالخير يا عارف. الله وكيلك يا ابو العباس, الشباب مفتح عيونها ليل نهار والكل عندها وحياه شواربها. يعني قلتها قربت طلعت محسن بالعباس. قربت يا ابو العباس, بعون الباري قربت. وهيات مين جمعني فيك يا عارف, ما هي هدالي بال لطلع محسن وكل الشباب منسجون الكلاب. قدوا قدود ابو العباس, تقدوا قدود.
معناها بتبلغ الشباب الليلة بعد صلاة المغرب بيكونوا عندي بالمالكانة. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصبر.